Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour les nouvelles énergies de cette fin de semaine, à savoir du jeudi 25 au dimanche 28 mars 2021. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes tous en forme. Oui, je sais ce que vous vous dites. Quel magnifique peignoir il porte! Eh oui, eh oui! Alors, ce peignoir, j'avais promis que je le porterais pour la prochaine vidéo puisqu'il s'agit de mon cadeau d'anniversaire, enfin une partie de mon cadeau d'anniversaire du coup. De la part mes sœurs de cœur et enfin mes sœurs de cœur, hélas, 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 on ne choisit pas sa famille, de Stella et Lilou, que je remercie encore une fois très chaleureusement, et je leur avais promis que je porterais le peignoir pour la prochaine vidéo. Je pense qu'il était temps, hein, il était temps, vous m'avez déjà vu avec l'autre qui, comment on pourrait appeler ça, une sorte de serpillière, hein, je pense que le terme est bien approprié. Sachant que c'est un peignoir que je possède depuis l'âge de 15 ans environ. Je viens de fêter mes 34 ans, donc ça fait presque 20 ans que je me traîne cette chose qui ne ressemble plus à rien, qui est trouée par endroits, qui ne me tient absolument pas chaud. Que celui-ci, franchement, mais si vous saviez comme c'est un bonheur, il est entouché hyper velours, il est épais, il est chaud, il... On est trop bien dedans. Et puis en termes de couleur, j'ai envie de vous dire que hein, voilà, on est sur ma couleur. Bon, comme vous avez pu le voir, la vidéo est habillée elle aussi de son petit générique, puisque je vous l'avais annoncé sur Instagram et sur Facebook et sur l'onglet communauté de la chaîne que désormais les vidéos auront un générique, puisque ça y est, enfin je me suis mis au montage et je commence à peu près à comprendre et à maîtriser le truc. En fait, je m'en suis fait tout un foin et c'est pas si compliqué que ça. Donc du coup, je pense que je vais beaucoup m'amuser pour faire les vidéos. Et puis j'avais envie de nouveautés, j'avais envie de nouvelles choses et je vous l'ai dit, je crois qu'Angel, ça m'avait beaucoup remué. Bref, il y a eu beaucoup d'énergie qui ont fait que... voilà. Donc j'avais vraiment envie d'apporter du nouveau à la chaîne. Et puis comme vous avez pu le voir également avec la vidéo surprise que je vous ai faite sur la boutique de Abby, il y a des choses qui vont se mettre en place, il y a des projets dans le sac, mais je peux rien vous dire, j'ai vraiment envie de vous garder les surprises. Donc je n'en dis pas plus. Concernant la boutique d'Abby, il y a peut-être un détail qu'on a omis dans la vidéo, mais bon, comme c'était suggéré, je préfère vous l'expliquer là, comme ça au moins vous serez ça sera éclairci. Pour la boutique d'Abby, je vous ai dit que son site était en construction. C'est normal, elle vient d'ouvrir sa boutique il y a même pas un mois, donc c'est tout à fait normal. Ce qui est très long en fait, c'est de référencer tous les produits pour pouvoir les proposer à la vente. C'est ça qui est la partie la plus chiante d'un site, hein, surtout quand vous avez quand même beaucoup de références, et Abby a pas mal de références, que ce soit autant dans les pierres, dans les jeux, dans les livres, dans tout, dans les produits, dans les encens, etc., etc. Elle a quand même beaucoup de produits à référencer, donc ça exige du temps. Donc rassurez-vous, vous pourrez prochainement commander sur le site, mais honnêtement, si je devais vous donner une fourchette de temps, je vous dirais au moins entre un mois et un trimestre à peu près. Ça dépendra à la vitesse à laquelle les produits sont mis sur le site, mais voilà, comptez minimum un mois jusqu'à un trimestre, même si, ne vous inquiétez pas, bien sûr tout sera mis en place pour que ce soit le plus rapide que possible. Et en attendant, sachez que vous pouvez déjà passer des commandes auprès d'Abby, donc n'hésitez pas à la contacter. Vous pouvez la contacter sur son compte Instagram et sur sa page Facebook, vous pouvez la contacter et vous pouvez déjà faire
faire des achats, vous contactez Abby directement et vous pouvez faire des achats directement avec elle sans passer par le site, hein. Sachez que c'est possible. Et c'était ce petit détail, je suis pas sûr qu'on l'avait bien expliqué clairement, donc j'ai préféré vous le redire dans une vidéo, au moins cette fois ça sera plus clair. Voilà. Bon, oui, vous voyez tout ça là, c'est ce que j'ai de retard en termes de review. Il faut que je vous présente l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, il faut que je vous présente l'oracle Ishtar de mon pauvre Gabriel que j'ai reçu depuis ça fait un moment maintenant, ça doit faire 3 semaines au moins que je l'ai reçu et j'ai toujours pas fait la vidéo review, il faut que je la fasse. Je ne parlerai pas non plus de la vidéo review du Lightseize Tarot que les éditions Arcana Sacra m'ont gentiment envoyé et que je n'ai toujours pas fait la review, mais je suis désolé, entre temps il y a eu l'opération d'Angel, il y a eu plein de trucs qui ont fait que le retard que j'avais, ça m'en a rajouté. Donc ne vous en faites pas, je pense que d'ici 2022 j'aurais dû rattraper mon retard en théorie. Voilà, et c'est d'ailleurs aussi pour ça que je vous fais la vidéo des énergies de fin de semaine maintenant, comme ça, ça sera fait. Je vous avais dit que je la ferais jeudi, mais comme j'ai la visite de contrôle pour Angel cet après-midi, enfin au moment où j'enregistre la vidéo, nous sommes mercredi, j'ai la visite de contrôle d'Angel pour son opération, pour voir si tout se passe bien. Je vais vous donner un petit peu des nouvelles d'Angel qui se porte visiblement comme un charme. Elle mange bien, elle dort bien, elle n'a pas eu d'effets secondaires sur son traitement, elle prend bien ses cachets. Elle semble... j'ai envie de dire, j'ai l'impression qu'elle a même plus la pêche qu'avant son opération. Je sais pas comment vous dire, elle est, je le vois, même si Bichette elle arrive pas à marcher parce qu'elle a des bandages de là jusqu'ici avec son body, donc vous la verriez marcher, Bichette on dirait un crâne, elle me fait rire. Et malgré ça, je la trouve quand même assez vigoureuse et elle saute, elle court, enfin elle court façon de parler, elle marche bien, non, je pense que la visite de contrôle devrait bien se passer, voilà. Bon, je vous ai fait cette intro pour que vous puissiez voir ma tronche, mais maintenant je vais vous changer d'angle pour que vous puissiez voir le tirage. Allez, donc notre tirage pour les énergies de cette fin de semaine, et j'avais envie d'instaurer aussi quelque chose de nouveau sur les vidéos. Quelque chose qu'on fait pas forcément, que je ne fais pas en tout cas forcément, et j'avoue que je devrais le faire un petit peu plus, et je me suis dit que ça pouvait être comme la chaîne est en plein chamboulement et que je vous fais plein de nouvelles choses, etc., etc., je me suis dit que ça pouvait être le bon moment pour intégrer de nouvelles bonnes habitudes que je vous invite du coup à faire. Je vous explique. En principe, chaque jour, on a du mal à se poser, on a du mal à faire le point, on est toujours en train de courir parce qu'il faut penser aux factures, aux enfants, à l'école, au travail, machin, est-ce que j'ai de l'essence, mince, j'ai oublié mon masque. Je pense que cette phrase, elle parle à beaucoup de personnes. Mais voilà, on passe des journées comme ça qui sont très, très stressantes, on est dans l'effervescence du temps, on a l'impression de ne pas avoir le temps. Et puisque vous avez le temps de regarder ma vidéo, eh bien, je vais vous imposer de prendre un temps pour vous. Donc ce qu'on va faire, je me suis pris un petit bâton de Palo Santo. Donc on va se brûler un petit peu d'encens comme ça. Alors bien sûr, vous ne pourrez pas sentir l'odeur à la caméra et je suis vraiment bien désolé, mais essayez de vous l'imaginer. Donc on va se faire brûler un petit peu d'encens, on va se faire sonner un petit coup de bol tibétain. On va se prendre comme ça 2-3 secondes pour juste souffler, pour se poser et pour dire que ce moment, c'est un moment qui est privilégié, qui est un moment pour nous, pour nous faire du bien, pour nous détendre et pour nous permettre de nous connecter aux énergies. Allez, c'est parti. Allez, je vous invite à fermer les yeux, à vous détendre, à prendre une grande inspiration. Allez, maintenant on va pouvoir commencer donc notre tirage dans de bonnes conditions. Donc on va utiliser les charms casting pour venir faire un petit peu, on va dire, les énergies principales. On viendra détailler avec les runes de sorcière. J'avais aussi envie d'utiliser, ça faisait un petit moment que je vous les avais pas sorties, les dés. Alors ces dés, c'est un set, à la base c'est un jeu de société qui s'appelle Cube Story ou Story Cube, je sais plus dans quel sens c'est. C'est la boîte de base, c'est une petite boîte orange. Je pense que vous allez dans n'importe quel jouet club ou magasin de jeux de société, hein, vous devriez trouver très facilement cet article. C'est pas du tout, donc comme je vous l'ai dit, des dés faits pour la divination.
Mais les dessins me parlaient beaucoup et je trouve qu'ils peuvent se prêter pour faire justement un oracle intéressant et on peut en tirer des choses quand même assez sympathiques. Vous pensez à une petite question de votre choix par oui ou par non. On utilisera les pièces de fortune hein, pour répondre à votre question. Et on utilisera bien sûr les petites baguettes chinoises que vous aimez tant. Allez, c'est parti! Allez, on prend une petite poignée, hop. Alors, qu'est-ce que nous avons? Intéressant, nous avons le sceptre de Sakura. Alors, ce sceptre-là, c'est un sceptre de pouvoir. Pour ceux qui connaissent un petit peu Cardcaptor Sakura, c'est grâce à ce sceptre que Sakura peut invoquer les esprits de ses cartes. Et du coup, le fait d'avoir ce sceptre qui sort, eh bien ici, on vous indique qu'il est temps de prendre le pouvoir, que le pouvoir, il est en vous, puisque Sakura... Pour invoquer son sceptre, à la base, attends, regardez, je vais vous montrer, son sceptre, à la base, il est en forme de petite clé, c'est un petit pendentif qu'elle porte sur elle, et quand elle invoque la puissance de cette clé, ça lui invoque donc son sceptre. Et ici, la symbolique est intéressante puisqu'on vous dit que le pouvoir, il est en vous, c'est uniquement vous qui pouvez prendre la décision, c'est uniquement vous qui pouvez être dans l'action, il n'y a que vous qui pouvez agir, donc ayez confiance en votre capacité, ayez confiance en votre potentiel, ayez tout simplement confiance en vous puisque c'est en vous que réside le pouvoir. On a une voiture. Intéressant. Est-ce qu'aujourd'hui vous allez être amené à vous déplacer? C'est fort probable. Vous allez peut-être devoir utiliser votre voiture pour vous déplacer. Ça pourrait nous parler d'un déplacement aujourd'hui. Pas forcément aujourd'hui, excusez-moi. Je suis tellement habitué aux énergies du jour. C'est pour donc cette fin de semaine. Donc sur la fin de semaine et sur le week-end, vous pourriez être amené à vous déplacer. Peut-être que vous allez recevoir une nouvelle, un coup de téléphone, puisqu'ici on a le téléphone, donc ça pourrait être soit une nouvelle, un coup de téléphone, un mail, un SMS, ça peut être pourquoi pas une invitation, puisque regardez en plus on a ici le mot love, on a la lettre L. Alors je sais pas pourquoi L, ça me fait penser à Lola tout de suite. Je connais pas de Lola dans mon entourage, j'ai aucune Lola. Ça pourrait être, oui, ça pourrait être Lola, Laura, Laurent, ça peut être autant masculin que féminin, je vais pas vous énumérer tous les prénoms qui commencent par L. On a également le F. Alors, est-ce que ce sont des initiales ici? Peut-être, pourquoi pas. Ah, on a la lettre D aussi, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Donc, soit ici, ça pourrait nous parler de trois personnes pour cette fin de semaine. Soit ce sont des initiales, oui, non, en plus ce sont que des consonnes, donc on risque pas de faire quelque chose avec. FDL, FLD, LDF, DLF. Non, ça veut rien dire, non, ça veut rien dire. Je pense que ce sont plus des initiales ici, ou soit ça peut être trois personnes différentes, donc vous pourriez être en contact avec trois personnes. Peut-être que c'est le fameux téléphone hein, que je vous disais, vous allez être mis en relation avec quelqu'un. Peut-être que ici on nous parle de communication qui va être établie. Peut-être que vous allez devoir vous déplacer. Ah oui, ça pourrait faire penser par exemple à un commercial qui va démarcher des clients ou qui se fait une nouvelle clientèle ou qui a des rendez-vous avec des fournisseurs. Ou ça pourrait être tout simplement le fait de se déplacer pour aller rencontrer justement des clients ou rencontrer de nouvelles personnes. Ou alors ce sont des personnes qui vont venir à vous. Ça peut aussi marcher dans ce sens-là. Des personnes qui vont être mises sur votre chemin, que vous allez rencontrer. Enfin vraiment ici, il y a une histoire à la fois de communication, de déplacement et de mise en relation avec autrui. Donc préparez-vous sur cette fin de semaine à être en contact avec plusieurs personnes. Ici, on a la clé. La clé, c'est un symbole qui est très fort, que vous connaissez tous par cœur. La clé, c'est le symbole du destin, c'est aussi le symbole de la réussite, c'est le symbole de ce qui permet d'ouvrir des portes. Donc peut-être ici que soit vous allez être mis en relation avec des personnes qui vont vous offrir cette clé, c'est-à-dire qui vont vous permettre de pouvoir déverrouiller des portes ou qui vont vous apporter plus qu'un coup de pouce. C'est pas un coup de pouce, c'est vraiment... Je ressens plus une sorte d'aide vraiment significatrice. Peut-être une ou plusieurs personnes qui pourraient vous emmener vers une forme de réussite ou qui pourraient vous déverrouiller une porte. Peut-être qu'en ce moment, vous avez l'impression d'être coincé dans votre vie. Vous avez la sensation que les choses ne bougent pas, que tout est bloqué. Et vous pourriez avoir l'intervention de quelqu'un qui pourrait vous ouvrir une porte, justement. Et du coup, vous permet ainsi de pouvoir vous faufiler sur un nouveau chemin. C'est très intéressant. Je vois ici, on a Agalaz, Agalaz et Gebo.
Agalas et Gebo. En plus, elles sont à sens unique. Vous m'excusez, je prends mes petites antisèches, mais autant en profiter. Alors, où est-ce qu'elle est, Agalas et Gebo? Agalas. Agalas, ouais, nous parle de bouleversement douloureux ou de mort. Et elle est en lecture unique. C'est une rune qui est à lecture unique. Et Gebo nous parle de bonne fortune dans tous les domaines. Ah! Alors, c'est quand même intéressant ici d'avoir à la fois une rune négative et une rune positive. Donc, ce qui fait que leur pouvoir s'annule. Vous savez, c'est le même principe qu'en maths. Moins plus moins, et ben ça s'annule. Plus, excusez-moi, je connais plus les règles d'arithmétique. Hein. Les maths et moi, on n'a jamais été bien amis. Donc ici, pour moi, je verrais vraiment la fin de quelque chose, le bouleversement douloureux. Moi, je vois plutôt la mort ici. La mort, mais au sens symbolique, au sens métaphorique. C'est-à-dire que, effectivement, il y a vraiment quelque chose qui arrive à son terme, il y a quelque chose qui arrive à sa fin. Et tout de suite derrière, c'est pour lancer quelque chose de nouveau, un peu comme une renaissance, voyez, le fait de mourir symboliquement, métaphoriquement, pour pouvoir renaître sur quelque chose. Et pour le coup, j'ai envie de dire que ça correspond complètement aux énergies d'Ostara. Ça correspond complètement aux énergies du printemps. On est dans cet aspect de mort et de renaissance. Je vous l'ai dit aussi en début de semaine, rappelez-vous, hein, le message était déjà ça, puisqu'on nous parlait ici de changement, d'évolution, etc. Et on est encore dans cette perspective de choses qui arrivent à leur terme pour laisser place, écoutez bien, à la bonne fortune dans tous les domaines. Hein. Gebo, c'est ce qu'elle annonce, elle annonce la bonne fortune dans tous les domaines, pas un seul, mais dans tous les domaines. Donc on nous parlerait ici d'un changement et d'une renaissance vraiment sur l'aspect général de votre vie. Ensuite, on a l'encre. Alors pour moi, l'encre ici, ça me ferait plutôt penser à un conseil de vous ancrer, de vous enraciner. Il est possible que ce que vous viviez ou ce que vous allez vivre dans les prochains jours puisse vous bouleverser. Et faut faire attention parce que les bonnes nouvelles, c'est comme les mauvaises. Quand vous avez beaucoup de choses qui arrivent en positif, eh bien parfois, on ne sait pas comment l'accueillir et ça peut nous détraquer, parce qu'on n'est pas habitué à plein de bouleversements, surtout quand les choses peuvent s'enchaîner. On n'est pas habitué à ce que tout change, même si c'est positif. Donc dans tous les cas, quand vous avez des changements dans votre vie, même si ce sont des changements positifs, pensez à vous ancrer, à vous enraciner. C'est important. Et c'est important dans le sens où ça vous évite aussi d'être trop euphorique. Et le fait d'être trop euphorique, ça peut vous conduire parfois, eh bien, à survoler les choses et ne pas en profiter à fond. Ou alors c'est l'inverse, vous voulez faire plein de choses parce que vous sentez que l'énergie est là, donc du coup vous avez cette motivation qui vous habite et vous avez envie de faire plein de choses. Mais le risque, c'est que vous puissiez potentiellement bâcler certaines choses. Donc il faut bien s'ancrer, il faut bien s'enraciner pour, lorsqu'on traite quelque chose, vraiment traiter point par point pour pouvoir en profiter un maximum et être plus productif surtout. On a ici, on a le lion qui nous parle ici de générosité. Ça pourrait aussi nous parler de force, hein, puisque ça me fait penser à l'arcane du tarot. Donc ça pourrait nous parler de force. Est-ce que ici, on vous indique que vous allez devoir être fort? Est-ce que vous allez devoir user de force physique ou de force mentale? Peut-être les deux. Moi, je verrais plutôt quand même une force mentale parce que le lion est tombé pas loin de l'ancre. Donc à mon avis ici, on nous parle vraiment d'être fort, d'être ancré, d'être enraciné, que vous soyez prêt, que vous soyez fort pour ce qui vous attend, même si ce sont des changements positifs. Il faut vous préparer psychologiquement et mentalement à accepter ce changement, à le laisser opérer dans votre vie. Et voilà, parce que bah, comme je vous l'ai dit, le changement positif peut être tout aussi déstabilisant que les mauvaises nouvelles. On a ici une petite fille. Alors ça peut être soit un enfant, vous allez être lié à un enfant pour ces prochains jours. Je ressens un cadeau. Alors ça peut être une vraie petite fille, mais on voit cette petite fille qui porte quelque chose. J'ai l'impression qu'elle amène un paquet. Alors pourquoi ça me fait penser à ça? Je sais pas du tout. Je vois une crémaillère, cadeau d'anniversaire, une récompense. Mais c'est...
L'aspect petite fille, du coup, me fait penser à un cadeau qui est vraiment fait en toute sincérité et en toute innocence. Peut-être que vous allez recevoir un petit quelque chose qui va vous faire plaisir. Ça peut être une forme de récompense, ça peut être une petite surprise, ça peut être vraiment quelque chose que vous allez accueillir de façon très simple, très pure, très... voyez, on est dans cet aspect d'innocence, il n'y a pas d'arrière-pensée, on convoite pas quelque chose derrière, on fait pas ce cadeau pour obtenir quelque chose derrière. Non, il y a vraiment cet aspect de désintérêt, de juste vouloir faire plaisir. Et ici on a la balle. Alors la balle pourrait avoir des significations négatives, mais là, dans ce contexte-là, pour moi, la balle, ça me fait plutôt penser à la vitesse, à la vélocité, quelque chose qui, des énergies qui sont en train d'arriver et qui pour, et c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'on vous indique ici qu'il faut vous ancrer, qu'il faut vous enraciner, parce que la balle, ça pourrait être cette énergie de mouvement qui arrive en toute vitesse, qui arrive comme une furie, et si vous n'êtes pas prêt, ça pourrait être voilà comme une sorte de tempête énergétique, un vent important qui souffle sur vous. Et qui pourrait comme ça vous mettre un petit peu mal à l'aise. C'est pour ça qu'on vous indique ici de vous ancrer. Voilà, allez, on y va pour la suite. On va voir avec nos runes sorcières. Hop, je vais mettre ça de côté. Alors, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons? Nous avons déjà le symbole du masculin et du féminin. Donc, rappelez-vous ce que je vous disais tout à l'heure pour y être en contact avec plusieurs personnes sur cette fin de semaine. Oui, il y aura déjà un homme et une femme. Alors pour moi ici, je verrais un homme et une femme qui vont être amenés à s'unir, à faire quelque chose. Soit ça peut nous parler ici d'un contrat, soit ça peut nous parler d'une nouvelle union, union amoureuse, pourquoi pas. Alors ne le prenez pas au pied de la lettre dans le sens un homme, une femme, relation hétéro, hein, si par exemple vous êtes gay, bi, peu importe. Adapter le tirage en fonction de votre situation, ok? Donc ici, ça nous parlerait soit, mais quand même, gardez en tête homme-femme, parce que les unions peuvent être d'ordre professionnel, peuvent être d'ordre amical, les deux en même temps. Ça peut être aussi des mises en relation avec quelqu'un concernant un projet, concernant une envie, un désir, quelque chose. Mais ici, il y a un homme et une femme qui vont être amenés à s'unir. Donc préparez-vous ici, il y a une union, il y a un contrat. Il y a un accord, il y a quelque chose qui va se faire pour cette fin de semaine. Ensuite ici, alors c'est quand même drôle parce qu'on retrouve encore l'aspect de mort et de renaissance. Puisqu'ici, on a la faux. Donc qui nous parle de couper quelque chose, qui nous parle de briser quelque chose, qui nous parle de la mort, hein, au sens propre et métaphorique. Donc le fait de finir quelque chose, la fin de quelque chose. Et on a le soleil qui est tout de suite à côté avec ici. La rune de l'air, donc l'air, rappelez-vous, je vous le dis souvent, c'est le facteur, c'est celui qui apporte les nouvelles. Mais pour le coup, comme on a le soleil qui est à côté, c'est le porteur de bonnes nouvelles. Donc pour moi, pour résumer, je dirais que c'est une bonne nouvelle qui va arriver et qui permettra de mettre un terme à quelque chose. Imaginons, moi je sais pas que vous soyez au RSA. Vous êtes sans travail, bah c'est une situation difficile. Le fait d'avoir par exemple une réponse pour un travail, eh bien c'est une bonne nouvelle qui permettra de mettre un terme à votre situation de précarité. Voyez, c'est dans cet ordre, dans cette idée-là. Et ici, on a la rune des vagues, du mouvement. Donc ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Il y a du mouvement qui arrive. Donc je vous le redis, préparez-vous une nouvelle fois. Il y a du mouvement qui arrive sur cette fin de semaine. Les choses vont être mouvementées. Ou vous-même allez bouger, hein, puisque ça peut nous parler de déplacement également. Allez, on va continuer avec nos petits dés. Nos petits dés. Ah, c'est drôle, regardez, on a eu la clé. On a eu la clé avec les charms, et là, du coup, on a la serrure. Donc, on a une nouvelle fois cet aspect de déverrouiller quelque chose. On a la bulle de conversation avec la ville. Donc, effectivement, vous allez vraiment être amené à discuter, à échanger, à être en communication avec d'autres personnes. Il y a vraiment un aspect ici d'échange. Le mouton, c'est drôle parce que ça me fait penser au fait de conserver votre originalité. Si par exemple, je vais reprendre ce que je vous disais par rapport au travail. Imaginons que vous commenciez un nouveau travail et que dans ce travail, on vous fasse comprendre qu'il faut être comme ci, comme ça, etc., etc.
Eh bien, vous essayez d'imposer justement votre originalité en disant que si le patron vous a recontacté, c'est que il y a quelque chose qui lui a plu chez vous, qui changeait justement, qui était original. Donc, cultivez cette originalité, ne soyez pas un mouton. Ne vous laissez pas embarquer dans un mouvement. C'est pas parce que tout le monde le fait que vous devez le faire aussi. Non. Suivez votre mouvement, suivez votre idée, suivez votre envie. Soyez vous-même et ne vous laissez pas embarquer par un mouvement de masse. Voilà. Ensuite, ici, on a la tour. Alors, la tour pourrait faire penser soit à des bâtiments administratifs ou quelque chose en lien avec le passé, avec quelque chose qui est ancien. Soit ça pourrait être, je sais pas, en plus, comment on a la... Ne m'aidez surtout pas. La loupe. La loupe qui est juste à côté de la tour, ça pourrait nous faire penser au fait de rechercher quelque chose dans le passé. Est-ce que vous allez être en quête de réponses par rapport à votre passé? Est-ce que vous allez obtenir des réponses par rapport à votre passé? Est-ce que c'est une réponse que vous attendez qui est en lien avec quelque chose de passé? Une réponse du coup que vous attendez depuis un moment, pourquoi pas? Là ici je vois l'éclair. Alors l'éclair, ça pourrait faire penser à une dispute ou à un conflit ou à des tensions, mais je sais pas pourquoi là dans ce contexte cet éclair me fait penser à avoir un éclair de génie. J'ai l'expression éclair de génie. Soit avoir une idée, quelque chose qui va se développer. Vous pourriez être je sais pas comment vous dire, comme si vous alliez avoir une idée ou quelque chose qui va germer, et ça peut être un coup de foudre aussi. Oui, c'est vrai, j'y ai pas pensé les amis. C'est au moment où je parle ou où j'y pense, ça pourrait être un coup de foudre puisque je vous l'ai dit, vous serez en relation avec des personnes. Ici, il y a un aspect de communication et d'être mis en relation. Il y a du relationnel sur cette fin de semaine. Donc c'est vrai que ça pourrait nous parler d'un coup de foudre. Mais je vais aussi garder mon éclair de génie. Donc préparez-vous si vous avez une idée qui germe ou qui fait surface d'un coup sur cette fin de semaine, exploitez cette idée, ça pourrait être une bonne idée. Et si on a l'étoile filante? L'étoile filante symbolise le fait de faire des vœux. C'est le moment, les amis, si vous avez des envies, des désirs, des souhaits, des vœux, formulez-les à l'univers, formulez-les à la nature, à vos esprits, à vos gardiens, à tout ce que vous voulez, mais c'est le moment vraiment de formuler vos vœux, de faire vos souhaits. On a ici le Bélier qui pourrait nous parler ici de sous, de comptabilité, le fait de compter. Donc soit vous allez négocier quelque chose en lien avec l'aspect financier, soit vous allez négocier un contrat, soit vous allez négocier, ça peut être un engagement, un crédit, quelque chose en lien avec de l'argent. Il y a un aspect de compter ici. Allez, maintenant, je vous invite à poser une question de votre choix par oui ou par non et on y va tout de suite. On a un non. On a un oui. Et on a un oui. On a deux oui pour un non. Donc, ce qui est plutôt favorable, c'est plutôt positif. C'est pas un oui ferme et définitif, mais c'est plutôt favorable, c'est plutôt positif. Donc, oui, les amis, allez-y. C'est placé sous des augures qui sont relativement positifs. Et on termine maintenant avec notre baguette chinoise. Et nous avons une gagnante avec le numéro 41. Alors, la 41 nous dit, c'est le moment de regarder autour de soi et de rechercher des occasions de profit, d'amitié ou d'amour. C'est quand même drôle parce que c'est exactement tout ce que je viens de vous dire avec le tirage. Bien qu'elle ait un... Oula, je recommence. Bien qu'un élément de tromperie puisse être mêlé, vous êtes susceptible de contacter bientôt de nouveaux liens puissants. Vos projets se réaliseront si vous êtes prêt à travailler dur dans ce sens. Sur le plan physique, vous resterez en bonne santé, mais il se peut qu'un de vos proches tombe malade. Des visiteurs vont sans doute s'annoncer bientôt, porteurs de bonnes nouvelles. Qu'est-ce que je viens de vous dire avec les runes sorcières, qu'on avait les mouvements, on avait la bonne nouvelle qui arriverait. Je vous l'ai dit aussi avec
Les dés avec les charms. On est dans un aspect ici de communication, donc préparez-vous les amis à recevoir soit des amis, de nouvelles personnes dans votre vie, de nouveaux contacts, des personnes qui vont vous aider, qui vont vous mettre sur le droit chemin, ou vous ouvrir une nouvelle voie, ou vous apporter de bonnes nouvelles, ou tout en même temps, et vraiment, je vous le souhaite. C'est tout pour aujourd'hui mes chers amis, j'espère que ce nouveau format de vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, sachant que là je commence un petit peu à bricoler, d'accord, donc il faut que je trouve le bon rythme, il faut que je trouve ce qui fonctionne bien, hein, d'accord, donc ce sera aussi avec votre aide que les vidéos vont s'améliorer, même si je pense que... Quand même, c'est nettement mieux que ce que je faisais avant. Enfin, en termes de qualité, c'est un petit peu mieux. Vous me direz ça. Sur ce, ça par contre, ça n'a toujours pas changé. Hein. C'est pas parce que les vidéos seront de meilleure qualité, ma langue n'arrive toujours pas à parler. Je bégayerai toujours autant. Ça, ne vous inquiétez pas, sur ça, il n'y a jamais rien qui ne changera. Je vous souhaite de passer une très belle et une très bonne journée. On se retrouve du coup en début de semaine pour les nouvelles énergies de la semaine prochaine. Et puis, je vous ai prévu aussi d'autres choses pour ce week-end, hein, ne vous inquiétez pas. Je vais travailler aussi sur mon retard. Je sais, ça fait 10 000 ans que je vous le dis, mais à chaque fois, j'ai plein de choses à faire. Et je vous promets les amis, vous rendez pas compte, mais j'ai beaucoup, beaucoup de travail. Bah, Abby pourrait vous le dire, hein, j'ai énormément de travail. J'ai déjà beaucoup de retard sur plein de choses, donc il faut aussi que je m'en mette à jour sur tout, donc ne vous inquiétez pas, je travaille sur ça. Je vous embrasse fort et on se retrouve très vite.